Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed Odyssey pour la suite des aventures d'Alexios. La dernière fois qu'on s'était quitté, c'était après avoir interrogé Midon, l'aîné des prêtres dans la vallée des rêves en Argolis, à cet endroit-là. On avait appris que la mère d'Alexios, Myrine, était passée par là et que le temple des prêtres lui avait fait croire que Cassandra, quand elle était bébé, avait succombé ses blessures. Et du coup, on a pu en déduire que Chrysis avait pris notre sœur quand elle était bébé. On est donc ensuite parti à la recherche de Chrysis dans le but évidemment de la tuer. Mais avant ça, on a dû aller au fort de Tirinth, qui se situe ici, pour aller chercher des informations auprès de Dimas, comme nous avait demandé Hippocrate, que l'on avait rencontré auparavant, afin de justement récupérer ces informations et de pouvoir aider Hippocrate avec un de ses patients. On a finalement persuadé Dimas d'aller à la rencontre d'Hippocrate. Bon, le patient entre-temps il est mort malheureusement, mais on a pu au final discuter avec Hippocrate qui nous avait dit qu'il avait rencontré Myrine il y a longtemps et que on devrait aller voir Dolops. Une ancienne personne qui aidait les orphelins et qui était devenue paysan maintenant, car lui peut-être se souvient encore de la nuit, de cette fameuse nuit où Myrine était venue avec le bébé. Donc on est allé à la recherche de ce fameux Dolops, et quand on est arrivé pour lui parler, il nous a dit qu'il était en danger et que quelqu'un voulait le tuer, mais qu'il ne savait pas si c'était son voisin ou son propriétaire. Du coup, on a mené notre enquête et au final, après avoir récolté les indices, c'était assez serré, mais il y avait trois indices qui étaient en défaveur du propriétaire et deux qui étaient en défaveur du voisin, pardon. Et donc au final, je devais aller interroger le propriétaire, mais je l'ai même pas interrogé, je l'ai tué direct. J'ai fait une petite erreur, mais bon, c'est pas grave. Pas une erreur dans le fait de pas l'avoir interrogé, peut-être que j'aurais appris quelque chose. Mais en fait, c'est pas grave. Du coup, on est retourné voir Dolops pour lui dire que c'était bon, qu'il n'y avait plus de danger pour lui. Et du coup, il nous avait appris que lui avait été chassé par Chrysis. Et à notre grande surprise, il nous a même dit que Chrysis était sa mère. Il nous a dit où est-ce qu'on pouvait trouver Chrysis, dans la vallée des rêves, dans un temple, dans le coin par ici. Et on est allé à la rencontre de Chrysis. Alors, il y a eu une confrontation verbale. Il y avait un bébé et en fait elle a foutu le feu pour essayer de nous brûler. Donc on a sauvé le bébé, mais elle en a profité pour s'enfuir et pour nous échapper. Ensuite on est parti en Corinthie pour aller rencontrer une étéhire du nom d'Anthusa suite aux recommandations d'Alcibiade. Là, je sais pas si vous vous souvenez ce personnage qu'on avait rencontré à Athènes lors du fameux banquet je sais même plus comment il s'appelle du fameux banquet de Périclès là le mec qui voulait nous grimper dessus aussi donc voilà donc on est allé voir Anthusa. Elle nous a dit qu'elle avait des informations mais qu'elle nous les donnerait en temps et en heure et que d'abord elle pas voulu nous rendre service car elle avait de ses amis, enfin de ses alliés, du nom de Damalis et de Erina, qui avaient besoin de notre aide. Donc on a commencé par aller voir Erina,
qui, elle, recherchait une autre étayeur du nom de Cléo qui avait disparu. Après avoir mené notre enquête et avoir rencontré Cléo, en fait, c'est pas qu'elle avait disparu, c'est qu'elle voulait complètement partir de Corinthy pour aller à Mykonos, donc sur cette île. Et on avait le choix soit de la ramener en Corinthy auprès des autres pays, soit éventuellement de la déposer à Mykonos le jour où on passera par Mykonos. Et en attendant, elle resterait sur notre navire. Donc je lui avais dit que je la déposerai à Mykonos quand j'y passerai. Hein. C'est pas ma priorité, mais bon, le jour où j'y passerai, je la déposerai. Donc voilà. Donc après, on s'était arrêté là. J'avais encore vendu quelques équipements, quelques armes. J'avais un peu amélioré la Drestia. Et j'avais boosté mes équipements et mes armes pour arriver au niveau 24 quand je me suis arrêté. Entre-temps, entre la fois dernière et là, j'ai continué un peu de mon côté, ce qui m'a permis de passer du level 24 au level 26. Et en fait, j'ai continué de mon côté en nettoyant en quelque sorte la map dans les régions par lesquelles je suis passé pour qu'il n'y ait plus de points, ou presque plus de points d'interrogation. Il en reste encore un peu par ici, dans cette région où je suis allé. Mais toutes les autres régions par lesquelles je suis passé, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, hormis... Enfin, les régions, oui. Les régions, mais pas les régions en entière, hein, parce qu'il y a des endroits où j'étais pas allé, donc voilà. Toutes celles qui sont éclairées, où on voyait les points d'interrogation, j'ai quasiment tout fait. À part, évidemment, ce qui est quête annexe, que je n'ai pas fait, parce que j'avais pas trop envie, et puis je me dis peut-être que ça peut être utile pour plus tard. Donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on va continuer. Alors, en montant les levels aussi, j'ai gagné des points d'aptitude, comme vous pouvez le voir, et que certains, je n'en ai pas dépensé. J'en ai 4. Parce que j'hésitais pour savoir où les dépenser, comme il y a certains endroits où je ne peux pas encore dépenser dans la branche assassin. Et d'autres où je n'ai pas vraiment envie d'améliorer dans la branche d'assassin parce que je n'utilise pas ses compétences. Je vais acquérir cette compétence. Même si pour ça, maintenant, pour l'utiliser, il faudrait que je l'affecte, mais au moins elle est débloquée une fois. Et je voulais améliorer. Je voulais améliorer cette compétence déjà une fois dans la branche de chasseur. Et il me reste encore 2 points de compétence. Après, il faut avoir l'arc nécessaire aussi pour certaines. Ouais, on va acquérir cette compétence que l'on va placer là. Et on va acquérir la maîtrise de l'archerie. Voilà, comme ça, ça me fait des points de compétence de dépenser. Au niveau de la lance, j'en suis au niveau 3 pour le moment, puisqu'il faudra continuer de l'améliorer. Et pour ça, il me manque 3 fragments d'artefacts, puisque la dernière fois, on avait aussi récupéré des fragments en tuant quelques membres du culte. Il nous en reste encore un bon paquet à tuer, hein, évidemment.
Donc voilà, donc du coup on va pouvoir continuer aujourd'hui en commençant par aider une femme rejoindre la maison du client. Donc gagner la confiance des Étéhir était plus facile à dire qu'à faire. Lorsqu'un de ses clients se comporta étrangement, Damalis demanda à contre-cœur à Alexios d'enquêter sur ce changement. Donc on avait aidé Irina et donc maintenant du coup on va aider Damalis et ensuite on ira faire l'autre mission d'Anthusa qui est de brûler les marchandises de l'entrepôt du Maquignon, sans doute pour le faire sortir et sans doute pour le tuer, donc on verra bien. Donc c'est parti, on va aller voir Damalis. Pardon, pardon. Évidemment, il reste encore énormément de choses à faire hein, dans le jeu. Mais je ferai tout tranquillement. Je vais pas me presser non plus. Attention par ici. Pourquoi? Bah, c'est bon ici, il n'y a aucun danger. On n'est pas en zone rouge. Ah, parler à Foibé, ok. Ah, tu m'as trouvé! J'ai entendu Damalis parler de son drôle de client et j'ai voulu t'aider. Tâche de te tenir, bonne idée, faux idée. Bah, c'est un peu dangereux pour elle quand même, elle est encore petite. Hein. Bah, allez, oh, après tout, tu pourrais m'être utile. Tu vois, j'avais raison, comme d'habitude. Je vais aller parler au client de Damalis. On verra ce qu'il a à me dire. Je suis venue ici pour espionner. Je t'écoute. Alors, il a dit qu'il devait retrouver quelqu'un ce soir à l'élevage de porc de Faya. Ça peut être utile, ça, non? Peut-être. Est-ce qu'il a dit pourquoi? Pour récupérer quelque chose. Un titre de propriété, je crois. Bien, c'est déjà ça. Et ensuite? Ah, il a dit un nom. Deinomen. Je me demande qui ça peut être. C'est bon à savoir. Merci, Foibé, petite espionne. Haha, pas mal, non? Il faut agir. Écoute-moi bien. Glisse-toi à l'intérieur et vois ce que tu peux trouver chez lui pendant que je le distrais. Je ne ferai aucun bruit. Bien. Ça y est, c'est reparti. Ça merde. Ouais, donc voilà, on va avoir la petite aide de Full B. Ah, mais non. Bon, du coup, il faut que je parle au client. Il est ce client. Je te connais? Non. Mais moi si. Si c'est Miron qui t'envoie, dis-lui que je le paierai dès ce soir. Personne ne m'envoie. Il faut qu'on parle. Je sais que tu mijotes quelque chose. Quelque chose? Mais ça peut être n'importe quoi, ça. Tu n'as rien contre moi. Tu dois rencontrer quelqu'un. J'ai fait là. Tu dois aller okay. À l'élevage de porc de Faya pour y rencontrer quelqu'un pour affaires.
Où est-ce que tu as entendu ça? C'est faux. Tu te trompes. On doit te remettre un titre de propriété, mettre secrète, un acte de vente, un titre de propriété. Et quelqu'un doit te donner un titre de propriété. Mais j'ignore l'usage de ces terres. Un espion? Qu'est-ce que tu as d'autre sur moi? Vas-y, parle. Tu dois rencontrer Deinomen. Deinomen, c'est le nom de celui que tu dois rencontrer ce soir. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je sais tout pour Damalis. Tu es son client, mais tu penses qu'elle te doit quelque chose. Ah, je l'aime, tu sais. Faut libérer la petite espionne voleuse. Ça ne t'empêche pas de lui faire peur. Mieux vaut que ce soit moi plutôt qu'un autre. Si je ne brusque pas Damalis, je suis mort. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la faiblesse. Tu crois que je ne le sais pas? Il le sait, lui aussi. C'est pour ça qu'il m'y oblige. Qui t'oblige à faire ça? Dis à Damalis que je vais arrêter. Et que je regrette. Les coups, c'est le maquin. Bien. Adieu, vieillard. Vu que c'est lui qui terrorise tout le monde. Parler à Foïd. Ok, c'est bon. Alors, ma petite espionne voleuse. Ça va te récolter. Pardon. Voyons ce qu'on a trouvé. Je me demande à quoi ça peut servir. Une bourse de pièces, un tisonnier en fer, ou non, ça peut être. Qu'est-ce que c'est? Une bourse? Ce n'est pas très beau chez lui. S'il est riche, pourquoi il vit comme ça? Il vient peut-être seulement d'être payé. Un tisonnier en fer. J'ai déjà vu ce genre de tisonnier. Il n'y a pas de feu chez lui, alors pourquoi il en a un? On ne s'en sert pas pour le feu. C'est une arme de torture. J'ai vu quelqu'un l'utiliser en Phokis. Quelqu'un de très grand. Grand comme le maquignon? Exactement, comme le maquignon. Maquignon, bah ça doit sûrement être un adepte alors. Hein. C'est peut-être lui qu'on avait vu justement en Phokis à la fameuse réunion. Qu'est-ce qu'elle dit, la lettre? C'est méchant. C'est écrit qu'on lui fera du mal s'il continue comme ça. Je m'y attendais. Il y a autre chose. Il doit amener Damalis quelque part ici, à Corinthe. Ça dit comment y aller. C'est quoi, à ton avis? Je n'en sais rien, mais je vais le découvrir. Je viens avec toi. Pas cette fois. Va chez Damalis et attends-moi là-bas. Oh, s'il te plaît! Tu en as assez fait pour aujourd'hui. Ça pourrait être dangereux. Je viendrai te voir après. D'accord. Ah, j'ai failli oublier. J'ai trouvé cette épée pour toi chez lui. Mmh. Dis donc, t'es une sacrée voleuse. L'endroit où amener Damalis. Là, une prison en obsidienne. Il faut que j'en ai le cœur net. Alors, comment qu'elle est la petite épée qu'elle nous a volée? Ah, pom 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 pom. Oh, elle fait plus de dégâts d'assassin, elle a plus d'adrénaline et de co-critique. Ouais, mais elle est moins bien quand même. Elle ressemble à quoi? Bon, en plus elle est pas belle. Non, c'était celle-là que j'avais. Ok, alors la suite des opérations. Examinez l'endroit mystérieux. Que se passe-t-il dans cette mystérieuse maison? Maison d'Abron. Alors, on aura un capitaine à tuer et un trésor à piller. Alors, voyons voir. Ok, donc l'enquête qu'on doit mener, de toute façon, il va falloir qu'on se débarrasse des gardes. Il va falloir d'autres choix. Huh?
Qu'est-ce que j'ai pris comme arc d'ailleurs? Maintenant que j'ai débloqué les compétences. Dégâts de chasseur, dégâts de guerrier, dégâts d'assassin. Dégâts de chasseur. Ok, donc moi j'ai gardé dégâts d'assassin. Et dans les aptitudes, on a. Inflige 60% dégâts de chasseur. Garde l'emploi d'aptitude de chasseur. Augmentation de 20% des dégâts de chasseur aussi. Ah, mais c'est pas obligatoire de jouer avec un arc de chasseur alors. Non. Tu sais ce qu'a dit le capitaine? Oh bah enfin. Ouais, ça m'a pas trop aidé en fait. Pour le moment. Ça les tuerait même pas directement. Sûrement l'endroit décrit dans la lettre. Est-ce qu'il est occupé? Ouais, c'est bon, ça marche comme ça en mode discrétion. Faut qu'ils aient... que j'attende qu'ils changent de position, c'est ça? Bon, on va déclarer la guerre. Ouais, non, c'est bon. Impeccable. Ça a l'air humain. Mieux vaut aller voir. C'est bien s'ils viennent un par un. Ouais, ils vont venir par deux là, c'est bon. Non, lui, il a même pas capté. C'est bon, c'est fait. Du sang. Beaucoup de sang. Une mèche de cheveux. Cette odeur. Mais familière. Mm-hmm. Les chaînes, de l'huile. J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Ah, c'est chelou ici, quand même. Malaka. Qu'est-ce que c'est que ça? Je te tiens. Alors, petite morveuse, c'est qui t'envoie? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais t'aider. Envoie-la moi. Pas, Foibé, vite! Ne fais pas un pas de plus. Tu es courageux de venir ici. Tu viens te faire fouetter? Le maquignon adorerait s'occuper de toi. Qu'il essaie, et il pourrira aux enfers. On est encore un ti. Tout peut arriver dans ce cloaque. Et le maquignon aura ce qu'il veut. Ouais. Tu es aussi répugnant que lui. Sauf que je vais te buter ton maquignon. Qu'elles aiment ça ou pas, ces victimes ont droit à son traitement spécial. Je vais lui dire que tu es volontaire. Mon traitement spécial à moi, tu vas l'avoir. Et je vais te tuer. Voilà. Ok, ça c'est fait.
Rendre compte à Damalis. D'accord. Alors déjà, l'arc là, le chasseur il est meilleur. Ouais, pour l'instant on va le conserver, on verra bien. Ça on va démonter direct. Bon, on va conserver les trois là pour le moment. Alors on va rendre compte à Damalis. Et là, c'est un garde en cours et on l'assassine. Là, là c'est le bordel. Laissez le passage. Oh, écartez-vous. Alexios, ta jeune amie est déjà là. Tu as réussi. Et très très vite. Je connais tous les raccourcis maintenant. Pardon, Alexios. ne recommence pas. Ouais, ce n'est pas grave. Tu as voulu bien faire. J'ai cru que je pourrais me faufiler, comme avant. Je suis content que tu ne l'aies pas fait. Surtout avec ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je reviens de l'antre de Luxure du Maquignon. Alors imagine. C'est là qu'on devait t'amener. Non. Et pourtant si. Ton client était chargé de t'y conduire. Et on a trouvé ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que le Maquignon. Il est vraiment partout, cet homme-là. Je sais comment le manipuler maintenant. Merci. Il te laissera en paix désormais. Il me l'a promis. Alors, nous pouvons vraiment te faire confiance. Certains sont plus faciles à faire chanter que d'autres. Ok, la quête elle est terminée. Désolé si... Vous entendez des bruits de connexion, de déconnexion, hein. C'est toujours le même souci, la manette. La manette qui fait toujours des siennes, quoi. Enfin bref. Du coup, la suite, il nous reste le port sans loi. On tous a compté faire payer les informations qu'elle possédait au sujet de Myrine. Pour commencer à affaiblir l'emprise du Maquignon sur la Corinthie, elle demanda à Alexios de détruire son entrepôt de marchandises. Brûler les marchandises de l'entrepôt du Maquignon. Donc il y a 5 marchandises à brûler, quoi. 5 stocks. Du coup, alors on avait dit que ça se situait par là-bas. Alors, sur le chemin, on va découvrir. Qu'est-ce qui se cache derrière ce point d'interrogation? Évidemment. Je dois rester caché. Il y a un lieu que j'ai pas fait. Stoa. Ah ouais. Bon, on verra ça plus tard. Le commandant t'a montré ça. Il aurait tout intérêt à rester là-bas. Je fais pas tout de suite les points d'interrogation, les lieux comme ça, parce qu'on sait jamais. Pas qu'on nous demande dans une mission d'y aller. Ce serait dommage de retourner une deuxième fois. Puis si vraiment j'ai pas besoin d'y aller, ben je le fais après. Par contre, j'espère que Antusa aura vraiment des infos pour nous sur la localisation de notre mère. J'ai même pas découvert du coup le point d'interrogation, non? Non, je suis même pas passé à côté au final.
évidemment, ça va être dans une zone où on n'a pas le droit d'aller. Alors. Enfin, je vois pas où est-ce qu'elles sont les 5 marchandises. Ah, un trésor. Deux trésors. Un troisième trésor. Cet endroit sera en alerte. Bon, on va le faire tout simple. Non, il veut pas venir. Ok, il fait juste. Mais ça lui dit rien de bouger. Ok. Bon, on va lui foncer dedans. Hein. Ah, ça c'est fait. T'as raison, viens voir. C'est l'endroit. Allons brûler les marchandises. La libérer. Tu es libre. File. Sauve-toi discrètement aussi. Ah, il y a encore quelqu'un. S'il te plaît. Tais-toi. Gueule pas comme ça, tu vas nous faire faire. Les dieux sont avec moi. Merci, Mystios. Y'a pas de quoi. Enfin, je vois pas du tout où est-ce qu'elles sont les marchandises. Hein. Bon, je pille déjà les trésors, on verra bien. C'est quoi que je dois détruire ?
zone de destruction. On va foutre le feu partout, tu vois. Hein. Ouais, c'est ça, c'est bon. Pas d'où il sortait celui-là. Ça me semblait que je suis attaché. Ah. Il est chaud le Spartiate là. Ouais, elle est géniale cette séquence. Trop stylé. De super-héros. Cool. Je sais pas qui tu es toi. Brassidas. Avec résolution. Nous avons ça en commun. J'ai vu des innocents piégés dans les flammes. Ceux de l'entrepôt? Je les ai libérés. Un bon soldat obéit aux ordres. Un grand soldat sait prendre les devants. Merci. Je m'appelle Alexios. Je te remercierais aussi si je connaissais ton nom. Brassidas de Sparte. Tu es depuis peu à Corinthe. Ah, tu es aussi espion. Vieille habitude spartiate. Mais j'ai mes méthodes. J'ai l'impression que c'est une coutume à Corinthe. Anthousa a des étahirs postés derrière chaque colonne. Ah, Anthousa. C'est une adversaire, mais nous avons un ennemi commun. Le Maquignon. On souhaite tous les deux sa mort, mais de manière différente. Une mort est une mort. Parle-moi de ton plan. Que peux-tu me dire sur le Maquignon? Ainsi, le Maquignon gêne aussi Sparte. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? C'est un homme qui a le bras long. Corinthe est l'allié de Sparte. C'est notre devoir de la protéger. Ce qui fait d'Anthousa ton allié par défaut. Si on l'écoute, le sang du Maquignon doit couler dans les rues. Je préfère le tuer discrètement. Tel un assassin. Quelle sort tu lui réserves? Pour l'instant, le Maquignon tient Corinthe. J'aimerais le remplacer sans créer un bain de sang. Il faut qu'il meure. Le tuer, c'est déjà verser le sang. Ouais, le tuer, c'est déjà verser le sang, quoi. Les tuer, ces hommes et lui,
Ça n'a rien de spécifique. Tous les autres moyens ont échoué. Crois-moi. Raconte. On a arrêté ses lieutenants, armé les habitants, essayé de monter toute la ville contre lui, le tout en pure perte. Il ne reste qu'une solution. Un coup d'épée bien placé. Ça devrait fonctionner, oui. Si on réussit à l'attirer à la grotte sacrée de Corinthe, il est mort. Je peux t'aider à éliminer le maquignon. Anthusa m'a engagé pour tuer le maquignon. Ah oui. J'attends quelque chose d'elle. Et s'il faut tuer pour l'obtenir? Si ta lance lui perce la gorge, Sparte t'en remerciera. Bon, mais du coup, ça a choisi Anthusa. J'ai été un spartiate. N'est plus le cas? Jusqu'à ce qu'on me jette du mont Taïgétos lorsque j'étais enfant et qu'on me laisse pour mort. Hein? Tu es le fils du général Nikolaos? Tous les Spartiates connaissent son nom. Et tu serais là? En vie? Impossible! J'ai survécu, et j'ai grandi seul pendant que la vie continuait à Sparte. Spartiate ou non, les gens de bon sens pardonnent, et méritent d'être pardonnés. Je cherche à retrouver ma mère, Myrine. Seul Anthusa peut m'y aider. Oui, Myrine. Comment as-tu connu mon père? Que sais-tu à propos de Myrine? Inutile de ruminer le passé. Non. Tu as connu Nikolaos. Un bon général, mais têtu comme une mule. Et récompensé pour sa loyauté. En réalité, on n'a jamais retrouvé son corps. C'est l'État qui l'a déclaré mort. Ne t'en fais pas. Je ne l'ai pas revu depuis mon enfance. Menteur. Tu ne saurais rien sur Myrine, par hasard. Je sais que personne ne mérite d'endurer seul une telle tragédie. Et on dit qu'elle a quitté Sparte cette nuit-là. Personne n'a oublié Myrine. D'après ce que je sais, elle aurait préféré qu'on l'oublie. Ouais. On ne peut pas revenir en arrière. Celui qui a choisi l'exil peut toujours rentrer. Les dieux nous imposent certaines épreuves, voilà tout. J'aimerais mieux les avoir de mon côté. Allons, Spartiate. Où serait le mérite? Au revoir, Brasidas. Oui, à bientôt. Je suis à tes côtés. Garde courage. Ok. Quête terminée, le port sans loi. Nouvelle quête, maquignon abattu. Ça va sûrement être la suite, hein, fallait buter le maquignon, c'est ça. Anthusa demanda un dernier service afin de mettre fin au conflit qui l'opposait au maquignon, la mort de celui-ci. Anthusa et Brasidas ayant des vues différentes à ce sujet, ce fut à Alexios de choisir. Parler à Anthusa chez elle. Voilà, de toute façon, peu importe leur point de vue, hein, ce sera... Ah non... Ah, mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Tu vas t'arrêter la manette de faire n'importe quoi. Thank you.
j'espère que ça va arrêter de bugger. Ça veut toujours pas. Comme par hasard, en plus, j'ai un mercenaire qui est pas loin. Bon, je disais, peu importe de toute façon les points de vue différents entre Brasidas et Anthusa, l'issue sera la même, hein, il faut tuer l'autre. Bon, du coup, j'ai lui Théa, la monde folle, qui est en train de s'approcher. J'ai pas envie de faire de mercenaire pour le moment. Bon, nous, on doit aller pareil à Anthusa. Ah, c'est chiant quand même quand la manette elle bug comme ça, qu'elle me fait faire n'importe quoi. Là, on peut se balader sur les remparts, les gardes ils disent rien quoi. On va arriver chez Anthusa. Ton plan a marché, on dirait. Les hommes du Maquignon m'ont tendu une embuscade. C'est ce qu'on m'a dit. Et tu n'as eu aucun mal à t'occuper d'eux. Ce n'était pas mon premier combat. Ni ton dernier. Nous allons punir le Maquignon au théâtre. J'ai préparé une pièce à la Corinthienne qui marquera les mémoires. Brasidas s'inquiète de l'anarchie qui risque de régner à la mort du Maquignon. Il veut qu'il meure, mais sans causer de troubles. Nous sommes loin de Sparte, et lui aussi. À Corinthe, on fait comme les Corinthiens. Attirons-le au théâtre, je veux l'emmener dans la grotte. Ah, il faut une mort spectaculaire du Maquignon. On va l'attirer au théâtre. Je suis d'accord. Place au spectacle. Retrouve-nous là-bas. Que ça en jette un peu, quoi. Cette représentation saura captiver l'attention du public. Alors, du coup... L'autre est vraiment en train de nous chercher, quoi. Rencontrer le Maquignon sur la place du théâtre de Corinthe. Oh, j'espère qu'elle va pas venir me prendre la tête et à la main. Qu'est-ce qu'elle a, elle? L'approche de la mort active un état de rage, réduction des dégâts dus aux assassins. Ouais, donc elle, c'est en... corps à corps qu'il faut l'affronter. Ok, c'est parti. Allons au théâtre.
faut monter la garde dans les environs. D'accord, donc là j'ai pas le droit de passer par là, faut que je contourne. Ouais, à tous les coups quand on va faire ça la mercenaire elle va se pointer quoi. C'est lui le maquignon. Tu voulais te donner un spectacle. Je veux que tu vois le visage de tous ceux à qui tu as fait du tort. Et ton sang si précieux éclaboussera leur visage, tout comme j'aurais dû le faire avec Myrine. Tu ne règneras pas sur cette ville, sale pauvre. Oh, tu peux parier que si, mon mignon. Retire tes sales pattes. Et quand je régnerai, je t'arracherai la tête. Et je l'enverrai au culte en guise de preuve. T'as osé poser ta main sur ma mère? Tu vas mourir. Tu as connu ma mère? Une vraie saleté, ta mère. Une plaie. Mais je vais lui rendre la pareille. Quand j'en aurai fini avec toi. J'irai la retrouver et je lui apporterai ta vilaine tête. Mais t'as vu ta gueule, toi? Pas si je lui apporte d'abord la tienne. Ça n'aura aucune importance lorsque ta cervelle décorera la scène. Foule camp de Méru, espèce de charogne. Désormais, elles ne t'appartiennent plus. Fiche-moi le camp de Méru. Le maquignon, l'île de Pélopée. Il n'était pas nécessaire de croiser le maquignon dans les rues de Corinthe pour en ressentir la présence. Ces hommes de main si pavanés, la ville autrefois le port le plus riche et le plus prospère du monde grec, était désormais englué dans la corruption. Le culte se servait de la cervelle limitée et des muscles du maquignon pour régner. On va avoir lettre à Brison. Le Brison l'a déjà buté. On aura donc casque de héros de guerre spartiate et un fragment d'artefact. Alors le maquignon fait partie de cette ligue là. Mais le brisant l'a déjà tué. Ok. Ça te bat contre moi si tu n'as plus toute ta tête. Allez hop, c'est parti pour la campagne. Non, la manette commence pas à bugger. Ah mais... Eh à nouveau ça bug là.
C'est chiant là, il est en train d'appeler à chaque fois. Ça me fait chier que j'ai la manette qui bug là. Bon, bah il reste plus que lui. Maquignon. Peuple de Corinthe, voilà le rat qui te vole ton pain, le fléau qui te prive de tes récoltes. À toi l'honneur, enfin en tout cas à toi l'honneur, il est à moi. Bon, à toi l'honneur. Tu attends ça depuis longtemps, à toi l'honneur. Je t'en prie, fais-toi plaisir. Avec un plaisir que tu n'imagines pas. Ah ouais, carrément. Tu te sens mieux ? Depuis le temps que j'attendais ça. Il l'avait grandement mérité. Et toi, tu as mérité des réponses. Viens, j'ai à te parler, en privé. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour ce que tu as fait. Et pour une fois, je peux même remercier Alcibiade. C'est lui qui t'a envoyé, après tout. C'est un homme qui gagne à être connu. Il avait surtout compris que tu pouvais sauver Corinthe. La ville s'en portera mieux tant que j'obtiens ce que je veux. Sa mort va me rapporter, à moi aussi. Alors parlons. Myrine, oui. Oui, elle n'a passé que peu de temps à Corinthe, mais elle m'a fait forte impression. Une vraie tornade. Ça ressemble à mon souvenir, oui. Une femme forte, d'une grande intensité. Elle a cherché à s'installer ici, à Corinthe, mais je crois qu'elle n'a jamais trouvé ce qu'elle cherchait. Tu parles d'elle avec affection. Vous étiez amis ? Nous nous entendions bien, mais il y avait en elle un grand vide auquel personne ne pouvait accéder. Comment vous êtes-vous connu ? Comment as-tu fait sa connaissance ? Il pleuvait cette nuit-là. Je l'ai trouvée dormant dans la rue. Je lui ai offert un abri. C'était une vagabonde ? Je me demande ce que mon père en penserait. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Elle m'a seulement dit qu'elle avait fui l'endroit qui l'avait brisé. Sparte. Qu'est-elle venue faire à Corinthe ? Elle a trouvé du travail ? Elle préférait rester seule, en gardant toujours un œil sur le port. Elle aurait pu rester parmi nous, mais je crois qu'elle cherchait autre chose. Qu'a-t-elle dit à propos de ça ? Elle n'a pas parlé de son passé, d'un mari, d'une famille ? Pas un mot. Elle s'assombrissait dès qu'elle parlait de Sparte. Comme si elle avait perdu quelque chose. Ou quelqu'un. Dis-moi où elle est allée ensuite. Après Corinthe, où est-elle allée ? Ça, je l'ignore. Oh, elle t'a peut-être laissé un indice. Je crois qu'elle-même ne savait pas où elle irait. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a gagné un navire lors d'une partie de dés. Tiquet lui devait bien ça. Mais je n'ai jamais oublié le nom de ce navire. Le Chant de la Sirène. Le Chant de la Sirène. On avait déjà entendu parler de ça. Il était connu pour avoir résisté à tous les pièges de Poséidon. Merci, Anthusa. Puissent les dieux veiller sur toi, Alexios. Reviens quand tu veux. Je te donnerai des nouvelles de Corinthe. Mon avenir s'annonce assez intéressant, je crois. Le mien aussi. Le Chant de la Sirène. Si je trouve quelqu'un qui connaît ce bateau, j'aurai fait un grand pas. Je dois avoir assez d'informations désormais. Il faut que je retourne voir Aspasia à Athènes. Ok. Alors, abandon divin. Alors déjà, point de vue de l'inventaire, on a récolté casque de héros de guerre spartiate. D'accord, lui il est plus sur le côté guerrier et pas assassin.
on a eu notre cinquième fragment d'artefact. Il nous en manque deux, il me semble, pour améliorer la lance. Si je dis pas de bêtises. Oui, il nous en manque. Et on a eu la quête donc Abandon Divin. C'était à croire que les dieux eux-mêmes avaient imposé à Athènes la peste, ayant trouvé les indices permettant de retrouver sa mère. Alexios retourne à voir Aspasia, regagner Athènes. Ok. On a eu un nouveau truc, c'est les hommes du Maquignon, mais non merci, j'en veux pas. Ah, pour l'instant, j'ai pas envie de changer ça. Ça non plus, pour l'instant, il n'y a rien changé. Et donc, les membres du culte, on a éliminé donc Maquignon et on a donc un indice. Le sage demande la mort de Brasidas. Ah. Brasidas. Il est dans le collimateur des membres du culte. Ok, donc du coup, il faut qu'on regagne la peine. Et on a toujours la mademoiselle à ramener à Mykonos. Alors, il faut qu'on aille ici. On a un point d'observation. On va se déplacer. Ah bah ça fait directement une cinématique en ayant fait le déplacement. Qu'est-ce qui se passe? Chelou, quoi. Ouais. Hey, Roger. Hey, c'est quoi ce bordel ici? Propagation de l'épidémie. Alors, c'est une quête annexe. Allô, t'as m'a déjà suivi jusque là, la Théa. Non, mais elle est sérieuse, elle. Oh, pour l'instant, l'épidémie, tout ça, je m'en fous un peu. Alexios, tu es revenu. Désolé, je dois filer. Attends! Je vais revenir. On se verra chez Aspasia. Parfois, je me dis que tu me ressembles trop. Les amis, je sais que vous êtes en colère. Et vous avez... Socrate et Cléon ont peut-être des informations sur la situation. Demeure, au lieu de remettre de l'ordre à Athènes, sachez que Périclès est malade. Périclès est malade, ah bon? Malade ou est-ce que tu l'as empoisonné? Mmh.
Hop là. Aspasia. Oh, Alexios. Tu es de retour à Athènes. Bah ce oui. qu'il reste d'Athènes. Le monde que nous avons bâti s'effondre à nos pieds. Ça s'annonce mal, lui, à nous de le protéger. C'est aussi bruyant qu'un champ de bataille là-bas. Et aussi violent. Il réclame la tête de Périclès. Comme s'il pouvait apporter une réponse à ce désastre. Personne ne sait comment affronter la fin du monde. J'ai appris des choses sur ma mère. Son nom, celui de son navire. Alexios, ce n'est pas le moment. Périclès est mourant. Il refuse de me voir. Il ne laisse même pas entrer Hippocrate. Il ne parle que d'une chose, aller dans son précieux Parthénon. Je suis désolé pour Périclès, il faut que je te parle de migraine. Bah, je suis désolé. Périclès est robuste. Il triomphera sûrement de la maladie. Tu as entendu cette foule ? Il est incapable de se défendre. Il périra sans gloire. Athènes le connaît depuis longtemps, bien avant l'arrivée de cette peste. Il a donné une voix au peuple. Son œuvre parlera pour lui. Oh. Périclès a besoin qu'on le soigne, mais il refuse de me laisser entrer. Il te respecte. Tu veux bien aller le voir ? Je peux essayer. Si tu le fais, je prendrai le temps de parler avec toi de ta mère. Pour l'instant, il a besoin de ton aide. Alors j'irai. Ok, parler à Périclès dans sa chambre. Non, c'est pas par là. J'ai mal quand je respire. Eh ben, respire plus. Ah, j'ai passé un niveau, donc j'ai gagné un point d'aptitude aussi. J'ai plus aucune quête, du coup. J'ai obligé de faire ça. On a un point d'aptitude qu'on va dépenser pour cette aptitude-là. Et s'il veut pas nous laisser rentrer en défenseur. Aspasia, ma lumière. Je t'ai dit. C'est Alexios. Bien. Entre. Ah ouais, bah nous on entre, tu vois. Je suis gêné que quelqu'un d'aussi fort me voit dans cet état. Tu te trompes, tu fais peine à voir. Tu as l'air aussi fort que d'habitude. Dis-le à Aspasia. Elle cessera de s'inquiéter pour moi. J'ai apporté tes remèdes. Ah, oui. D'ordinaire, c'est Phoïbé qui s'en charge. Au moins, je suis en vie. Je ne peux pas en dire autant de la cité. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Eh bien, elle va appartenir à Cléon. Il lui reviendra de la rétablir en sa gloire. J'aimerais la voir de mes propres yeux. Bien, allons sur le balcon. Tout a changé. Je ne parviens même plus à me tenir debout pour regarder la mort dans les yeux. Tu te remettras vite si tu laisses faire Hippocrate. Mon heure est venue. La peste frappe sans distinction. Je crains d'avoir délaissé Athènes. Son peuple. Aspasia. Non, c'est faux. C'est gentil. J'ai échoué. Aspasia a besoin d'être protégée, comme Athènes. Je pensais avoir offert suffisamment à Athéna. Sans... Je devrais être là-bas, dans les rues. Tu te feras tuer. La foule est en rage, et Cléon ne fait rien pour la calmer. Les dieux soient loués. Cléon ne me verra pas ainsi. Et c'est bien la seule chose que les dieux font. Tu ne peux pas blâmer les dieux ont trahi Athènes. Tout cela n'est pas la faute des dieux. C'est le monde qui est devenu fou. Le sort d'Athènes est scellé. Il ne nous reste qu'à attendre. Tu devrais rentrer. Tu dois te reposer. Je devrais plutôt aller au Parthénon, mon legs le plus précieux à Athènes. Il nous faut la bénédiction des dieux. Mais Aspasia...
Aspasia a raison. C'est vrai, souvent. Mais pas cette fois. Oui, je vais rentrer. Merci, Alexios. Dis à mon Aspasia que je serai sage et que je prendrai mes remèdes. Je lui dirai. Parlez à Aspasia à Athènes. Okay. Périclès a accepté de me voir. Et même de prendre ses remèdes. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Phoïbé devrait déjà être rentrée. Je l'ai vue dans la foule à l'extérieur. Tu l'as envoyée quelque part ? Elle est allée voir Anastasios pour trouver un bateau. Dès que Périclès aura repris des forces, nous quitterons Athènes. Il le faut. Mais elle n'est pas revenue. Je suis sûre qu'elle va bien. Tu n'aurais pas dû l'envoyer, elle va revenir. Voilà. Périclès t'a répété ce que je lui ai dit à propos du culte à Athènes ? Ce culte, je croyais que son mal le faisait délirer. C'est la vérité. Mais Phoïbé est rusée. Elle va revenir. Je l'espère. Je vais aller la chercher. Où est la maison d'Anastasios ? De l'autre côté de l'Odéon de Périclès. Kéré. Ok, terminé, abandon divin. Nouvelle quête, Eleru Vire Rouge. Alors. On n'a plus d'autres quêtes, hein, du coup. Hein. On est obligé de terminer ces endroits-là. Trouver Phoïbé et la ramener à Aspasia. La maison d'Anastasios est dans le sud-est du Grand Athènes. Sa maison est à l'est d'un théâtre. Alexios, furieux qu'Aspasia ait envoyé Phoïbé en mission dans les rues infectées et dangereuses d'Athènes, décida de partir à sa recherche. Oh, il avait pas l'air si furieux que ça. dans l'est du Grand Athènes. Et à côté d'Athènes. Alors, on va remettre les icônes. Ouais, je vois pas où est-ce que c'est. Je vois pas où est-ce que c'est par contre. Ah non, mais c'est pas au nord-est, c'est au sud-est. Sa maison est à l'est d'un théâtre. De toute façon, le sud-est, ça doit être par là. Bon. Le théâtre, il est là. C'est ça, le théâtre. À l'est. Donc ça doit être ouais, ça doit être quelque part par là. Bon allez. La mercenaire, elle me court trop après, commence à m'énerver. Hein.
chose. Oh. Ça a l'air d'être là. C'était par là-bas. Puis on va devoir tuer encore. Allez. Odéon de Périclès. Je n'ai même pas découvert cet endroit encore. Par les dieux! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Heureusement, Phoebé n'était pas ici. J'espère qu'elle va bien. Deimos doit mettre sa menace à exécution. Eh ben, carton. Quelle cruauté. Tout ça pour envoyer un message. Quitter la maison. Ça c'est quelque chose, hein. Protéger Phoebé des gardes du culte. Non ! Hé ! Arrêtez ! On va les défoncer. Phoebé ! Un peu tendu avec le code de cette manette à la fin. Ah, ça c'est fait. Ah non, faut aider. Non. Pas faut aider. Gaïa. Mère de toute chose. Je te salue. Pardonne-moi. Alexios. Tout va bien? Il faut que je voie Aspasia. Nous devons d'abord trouver Périclès. Il a disparu. Je m'en fous de ça! Dis-moi où est Aspasia! Alexios. Pardon. Phoebé.
Aspasia est partie chercher Périclès au Parthénon. Elle devrait s'y trouver. Il vaudrait mieux qu'on l'accompagne. Tu as raison, mon ami. Tu as raison. Ok, c'est terminé. Dégoûté. Aspasia connaissait le danger. Mais elle t'a quand même envoyé. Désolé, Fouibé. Tu ne méritais pas ça. Ok. Aïe, 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 aïe. Parler à Aspasia au temple d'Athènes. Athènes était à l'agonie, le chaos régnait dans les rues, Phoebe avait été tué, Périclès avait disparu, Aspasia cherchait à tout prix à lui faire quitter la ville. Alexios dut redoubler d'efforts. Parler à Aspasia au temple d'Athènes. Bah, je suis dégoûté, Phoebe, punaise. Non. J'aime bien la rencontrer, la petite, là. Elle me faisait rire à chaque fois. Elle m'avait pas attaqué, elle, à un moment donné aussi, non? Non, elle peut escalader tout ça, non? Je suis dégoûté. J'ai envie d'arrêter de jouer, là. Je suis dégoûté pour Phoebe. Après, elle aimait bien se mettre en danger aussi, la petite, hein, mais bon. Quel dommage. Y'a quelque chose là-dedans ? Non, on peut pas y aller sous l'eau. Non, c'est pas bien, hein. Voilà, Alexios. Vite! Périclès est peut-être à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui te prend? Phoebe est morte à cause de toi. Le culte a tué Phoebe. Ah, c'est pas vraiment de sa faute à elle. De toute façon, après, Phoebe aussi, elle aimait bien se mettre en danger. Elle voulait... Voilà, mais bon. Phoebe a été tuée par des gardes du culte avant que je puisse l'aider. Oh non! Pauvre Phoebe. Elle est morte seule, dans la rue. Non, tu l'as trouvée. Elle n'était pas seule. Je sais à quel point elle comptait pour toi. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Tu dois te battre. Pour elle. Aspasia, tu es ici. Des traces de Périclès ? S'il est là, il prie à l'intérieur. Il a refusé de rester à l'abri chez nous. La situation empire à l'Agora. La folie frappe la ville. Agissons, nous parlerons plus tard. Périclès. Allez! Et ça devient intense là, cette petite partie là. Je vais détruire tout ce que tu as créé. Cassandra. Ah, Athènes m'appartient. Périclès! Ne te mets pas sur mon chemin. Trop tard. J'ai hâte de te tuer. Trop tard, Deimos, t'as fait trop de mal. Même si t'es ma sœur. Tout est perdu. À cause de c'était toi, Phoebe est morte. Peut-être encore plus que nous ne l'imaginions. Nous devons lui faire quitter Athènes. Prenons mon navire. Il faut partir. Pour qu'il ne soit pas mort en vain. Jamais.
Attends, laissez-moi cet endroit, hein. Il y avait un truc sur le garde là que je peux récupérer. Il y a du loot. Nous devons nous dépêcher. Reste près de moi. On ne sait jamais. Ok, c'est parti. Fuir Athènes. Personne ne doit quitter Athènes. Ordre de Cléon. Et il exige qu'on lui amène Aspasia. Je n'irai pas. Partez. Ne les laissez pas s'en aller. Ouais, je vois que j'ai une aptitude qui vient de disparaître. Vraiment des trucs des fois qui font chier quand même. C'était laquelle encore? Ouais, c'était celle-là. Voilà, ça c'est fait. Tout va bien. On peut y aller. Nous allons rester, Alexios. Quoi? Pourquoi? Mon travail est ici. Je ne peux pas laisser les Athéniens dans cette situation. Tu n'as pas besoin de nous pour veiller sur Aspasia. Laisse-nous protéger Athènes. Athènes est finie, vous allez vous faire tuer. Athènes est perdue. La ville a changé de main. Ce n'est plus l'Athènes que vous connaissiez. C'est pour ça que je dois rester. Il faut tout rebâtir. Oh, tu en es sûr? J'ai vécu en Athénien et je mourrai en Athénien. Alors, faites quelque chose pour moi. Bien sûr. Retrouvez le corps de Phoïbé. Donnez-lui une sépulture décente. Tout ce qu'elle mérite. Et même plus. Merci. Il faut partir, Alexios. Allez, en route. J'espère vous revoir tous les deux. En vie. Plus on s'éloigne d'Athènes, plus le bruit diminue. Comme si la ville était paisible. Je suis désolé, Aspasia. Pour Périclès et Athènes. Tu n'as pas besoin de t'excuser.
pour quoi que ce soit. J'ai fait ce que j'ai pu, j'aurais dû faire plus. J'aurais dû faire plus. J'ai l'impression d'avoir échoué en tout. D'avoir agi trop tard. De ne pas avoir pris les bonnes décisions. Ce n'est pas ta faute. Le seul coupable, c'est le culte de Cosmos. J'obligerai chacun d'eux à implorer ma pitié avant de les tuer. Ce moment viendra. Pour l'instant, songeons à l'avenir. Tu as une destination ? J'espérais que tu m'aiderais à choisir. Ah oui, bien sûr. Il y a cette femme. Phoenix. Son navire s'appelle le Chant de la Sirène. Phoenix. Oui, je connais ce nom. Aux dernières nouvelles, son navire mouillé sur l'île de Naxos. Oh. Dans ce cas, direction Naxos, pour y voir Phoenix. Ok. Alors, du coup, les prières d'une mère. Après des recherches dans tout le monde grec, Alexios avait enfin retrouvé la trace de sa mère. Après 17 ans de séparation, l'heure était aux retrouvailles sur l'île de Naxos. Retrouver Myrine à Naxos. Naxos, c'est par là. Eh ben, on va passer près de Mykonos. Alexios alla à Mykonos pour venir en aide à une rébellion en difficulté, mais pour aider la population à renverser ses oppresseurs athéniens, il fallait trouver Kira qui dirigeait cette révolte. Service d'escorte, se conformant au souhait de Cléo de quitter à jamais la Corinthie. Alexios l'emmena très loin de là. Et là, étant donné qu'on va se rendre à Naxos et qu'on passe de Mykonos, on va aller déjà déposer Cléo, comme ça ce sera fait, même si c'est pas une quête de l'Odyssée, une quête principale. Alors ça pour l'instant c'est pas bon. Ensuite qu'est-ce qu'on a là? Les yeux de Cosmos, d'accord. Et par la même occasion, on va peut-être faire cette quête annexe. En chemin, est-ce qu'on aura des trucs? On ne sait pas. Ouais, je vais aller à Mykonos faire les deux missions annexes. Faire les deux missions annexes. Et je pense qu'on se gardera les retrouvailles avec Myrine pour la prochaine fois. On verra. On verra combien de temps ça va mettre pour déjà déposer pour l'autre petite mission que je vais faire.
sur le côté. Ah oui, c'est la petite île. Là, ça a l'air d'être des javelots renforcés. Un javelot comme ça qui flotte. D'accord, pareil. Donc. Très crédible. C'est vrai qu'on est dans un endroit où normalement il y a pas mal de pirates. Hein. On verra hein, si on se fait attaquer, on se débrouille. Il a l'air bien dessus, je suis sûr que vous m'attaquez. On en est où là sur lieu de naissance d'Apollon. Il va falloir contourner cette île. Attention, pas rentrer dans les autres. Un peu agité la mer. Il y a peut-être des trucs à prendre ici, non? Ah, il faudra peut-être qu'on y aille. Terre sacrée d'Artémis. Lieu de naissance d'Apollon. Colline de Quintos. Pointe de la taverne, colline d'Artémis. Il y aura peut-être des choses à faire. C'est possible. On devrait récupérer ce qui flotte. Du cuivre, ça c'est pas mal. Allez, on arrive à destination pour déposer Cléo. Préparez vos avirons. Préparez le navire pour amarrage. Tu as largement compensé le meurtre de mes ravisseurs, Mystios. Merci. De rien. Alors, sois prudente, la prochaine fois, dis la vérité. La prochaine fois, dis-le. Fais-moi plaisir. La prochaine fois, dis la vérité à tes amis. J'y songerai. Fais bon usage de mon argent et souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. 555 grammes. C'est bon, ça. Alors, on avait ramassé ce javelot. Hop, on démonte. Et elle nous a donné des bottes de livreur. On va les dégager aussi. Alors, du coup. On va prendre le point d'observation là. Et on va faire juste cette quête annexe. D'argent, de la richesse à la rébellion.
Ou même pas, non. Hein, je vais même pas faire la quête annexe maintenant. Là, j'ai pris le point d'observation histoire de pouvoir me TP directement là. Je ferai ça de mon côté, je pense. Ouais. Ouais, je ferai ça de mon côté. Non, on va se rendre à Naxos. On va faire le chemin jusqu'à Naxos déjà. Au poste de navigation. Content de te revoir. Ça, on n'est pas très loin. Pirates contre des Athéniens. On va les laisser là. Le problème, c'est si tu attaques les pirates, t'as que les Athéniens sur les deux aussi. Des fois, ils sont un peu. Approchons de Naxos. Tu es impatient ? Nerveux. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Alexios, tu as parcouru la moitié du monde grec pour la retrouver. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Il te suffit d'être. Mais et si j'étais pour elle une déception ? Écoute, toutes les... Ah merde, ça a coupé le discours. Ok, alors... Naxos, on a des points d'interrogation. Là-bas, il y a un autre pied sur cette partie. Donc on a quoi ? On a baie de marbre, crique de Zeus, colline des Ménades, et on a le destin d'Aria. On va déjà prendre le point d'observation. Comme ça me permettra de me re-TP ici et de Naxos. Pardon. Ok, ça c'est fait. On va contourner juste pour aller prendre le point d'observation là. Vu que t'as le foin qu'on peut sauter dessus. Il n'y en a pas. Ouais, d'accord. Espérons que personne ne me remarque. C'était pas mon but d'alerter les gardes. Hein. Ah, je pense que c'est bon.
Ce temple est consacré à Dionysos, le dieu du vin. Voilà qui plairait à Marcos. Tu m'étonnes. Ok, voilà. Donc, du coup, il faut aller retrouver Mirin à Naxos. Ok, ben voilà, on est devant la porte pour les retrouvailles. Et moi, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Pour ça, pour une fois, au moins, je ferai un épisode qui ne dépassera pas les 2 heures. Et en même temps, si je me trompe pas, d'après la petite trame de ce jeu, si on mettrait comme à l'ancienne... Tant et tant d'épisodes ça fait des chapitres, des séquences, comme là par exemple le chapitre les retrouvailles, voilà, chapitre de l'Odyssée les retrouvailles, comme ça fait des chapitres, des séquences, des épisodes, peu importe le nom qu'on leur donne, là ce serait le début normalement du nouveau chapitre. Donc du coup je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et on se retrouvera la prochaine fois pour commencer ce chapitre intitulé Les Retrouvailles. Et on verra ce que va nous réserver ces retrouvailles après ces 17 années de séparation entre Alexios et sa mère Mirin. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite des aventures d'Alexios dans Assassin's Creed Odyssey. Salut à tous !